À Touaron 1, viens faire du sport avec nous, prends ta licence. Je m'appelle Léo QQL, donc mon parcours sportif, c'est que j'ai démarré le badminton à l'école quand j'étais au collège, et puis après j'en ai pas trop fait. Quand je suis arrivé en Polynésie à l'université, j'ai repris. J'ai choisi ce sport parce que pour moi c'est un sport qui est extrêmement complet, extrêmement ludique et très facile d'accès. Je trouve que peu importe son âge, son poids ou son niveau, on arrive à s'amuser, on peut jouer doucement ou vite, il y a aucun souci pour ça. Et puis c'est un sport qui développe énormément le cardio, je trouve. On bouge beaucoup et on peut faire... Pour moi, par exemple, avec une raquette et un volant de badminton, sur le terrain, on peut frapper n'importe quel coup, on peut de n'importe où sur le terrain, on peut envoyer le volant à n'importe quel endroit, et ça, c'est pas dans tous les sports que c'est possible, donc je trouve que c'est extrêmement, extrêmement varié. Voilà, j'adore le contact, j'adore voir les enfants évoluer, etc. Moi, j'aime bien les accompagner. La plupart, je commence à les entraîner, ils ont 9-10 ans, et puis après, ils s'en vont, ils ont 17-18 ans. Donc, c'est vraiment une relation particulière que j'apprécie beaucoup. On les entraîne entre 3 et 4 fois par semaine. En temps normal, plus on fait des stages pendant les vacances, donc c'est vraiment une relation privilégiée avec eux que j'apprécie beaucoup. Je pense que le meilleur souvenir, le plus fun, c'était le premier déplacement où j'ai représenté la Polynésie, donc en 2011, c'est le premier déplacement que la sélection tahitienne a fait, donc c'était des Oceania en Nouvelle-Zélande, c'était notre première compétition, et c'est là où on a été confronté pour la première fois au haut niveau, et donc on s'est pris des bonnes défaites, et c'était malgré tout, ça reste un bon souvenir parce qu'il y avait une bonne ambiance et voilà, représenter la Polynésie, ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Voilà. Si vous hésitez à venir découvrir ce sport, n'hésitez pas à sauter le pas, c'est vraiment un sport qui est extrêmement ludique et facile d'accès. De 6 à 90 ans, il n'y a aucun problème, vous pouvez jouer à votre niveau et vous allez vous amuser. Même les enfants de 4-5 ans à l'école, ils arrivent à faire des échanges au bout de 2 séances, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Prends ta licence. 37 fédérations, 37 choix possibles. Une initiative du ministère en charge de la jeunesse et des sports.